On va commencer tranquillement cette nouvelle édition de Résister à l'art du temps. Alors on est très content d'accueillir Philippe et Béatrice donc sur le, qui sont venus présenter un livre Fort Blanquefort, même pas mort, que vous trouverez sur la table de la librairie La Brèche qui est là-bas. Et donc l'idée de Résister à l'art du temps, c'est d'inviter des personnes pour présenter des livres sur différents thèmes. On a fait une édition en décembre sur la question de l'ouverture des frontières avec Julien Salin. Et on avait prévu de longue date d'inviter Philippe et Béatrice sur ce livre de la lutte des Fords. Et au vu de l'actualité sociale avec le mouvement des Gilets jaunes, il nous a paru important de, même en restant dans l'esprit de Résister à l'ère du temps, donc un truc pas très gros, convivial, tout ça, avec beaucoup d'interventions de la salle, débat, de se délocaliser, de ne pas faire ça dans notre local, mais faire ça dans une salle un petit peu plus grande, parce qu'on se doutait bien qu'il y aurait un peu plus de gens qu'à l'habitude. Donc ce livre, il tourne autour de la lutte des Fords depuis un an maintenant. Un livre qui a été coordonné par Philippe et Béatrice. Donc c'est un livre qui regroupe pas mal d'auteurs de renom, Serge Halimi, Monique et Michel Pinson et Pinson Charlot. On en parlera tout à l'heure. Mais moi je vous propose d'abord d'avoir un petit récapitulatif par Philippe de cette situation de la lutte chez Ford qui nourrit l'actualité avec des revendissements qui sont quasi journaliers en ce moment. Donc on va avoir une petite introduction à cette situation-là, puis après on parlera plus globalement du soutien à la lutte des Ford, les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs qui se battent dans leur usine se sentent parfois seuls, donc c'est important d'avoir un soutien plus largement que ça, et puis après on élargira à comment la lutte des Ford s'inscrit dans la mobilisation sociale actuelle et les questions que nous pose le mouvement des jeunes. Donc je te passe la parole Philippe sur la lutte actuelle de toi et tes camarades de boîte. La lutte actuelle, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, je ne vais pas raconter la bataille Ford, ça n'a pas l'intérêt, mais essayer de synthétiser, enfin, essayer de dire au moins ce qui serait important à retenir, surtout qu'en plus la lutte des Ford ou le sort de l'usine Ford, on est à combien, 800 bornes de Bordeaux, donc vous n'êtes pas directement concerné par cette histoire-là. Il n'y aura pas d'impact social suite à la fermeture de l'usine qui ira jusqu'à Montpellier. Mais bon, c'est quand même important ouais, d'en parler, puisque c'est quand même des choses qui se passent un peu partout. Les usines ferment, les entreprises ferment, les emplois sont supprimés. Il y a quelque chose qui dure depuis quand même des décennies et ça ne s'arrange pas du tout. Et nous, aujourd'hui, on est victimes de cette politique de destruction massive des emplois. Donc Ford, là, on en parle aujourd'hui, mais on vient d'apprendre donc il y a 2-3 heures que le plan de reprise ne fonctionne pas. Donc malheureusement, c'est la confirmation que Ford a gagné, qu'a priori l'usine va fermer et que normalement l'État devrait valider le plan de fermeture de l'usine, ce qu'on appelle un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, devrait être validé dans les jours qui viennent par la directe. Et donc Ford, dans quelques jours à peine, devrait pouvoir mettre en place les premiers départs entre les pré-retraités et les licenciements, et donc on devrait tous virer d'ici septembre. Voilà ce qui était déjà largement programmé, mais qui est quasiment officiel aujourd'hui. Donc mauvaise nouvelle aujourd'hui, bon c'est pas une grosse surprise, parce que depuis le départ de la lutte, enfin depuis le départ de ce qu'on a tenté de faire, c'est en fait ça fait un an pile que Ford a annoncé sa volonté de se désengager, donc c'était le 27 février de l'année dernière, et c'est en juin, donc le 7 juin, que Ford a annoncé la fermeture de l'usine. Donc en fait, ça fait 12 mois qu'on est dans la dernière phase d'une longue bataille, parce qu'en fait, Ford veut fermer l'usine depuis 2008. On a réussi un exploit à ce moment-là. Bon, on avait une grosse mobilisation, on avait occupé l'usine, on avait séquestré plusieurs fois le patron. Enfin voilà, on avait fait pas mal de choses intéressantes. Et ça avait permis de faire pas mal de bazar dans la région. Et on a réussi à déstabiliser un peu Ford, un peu tous les autres, parce que tout le monde pensait que ça allait se fermer comme de l'usine. Et puis bon, on avait réussi à créer la surprise. Mais voilà, donc Ford est parti, revenu, enfin, en plein rebondissement, Ford a rapporté de l'activité et Ford avait signé un accord il y a 5 ans avec l'État en disant qu'il s'engageait au maintien de l'emploi, en échange d'argent public, contrat qu'ils n'ont jamais respecté puisque les emplois n'ont jamais cessé de diminuer, tout simplement par le départ des retraités, hein, parce que comme un peu partout, hein, aujourd'hui les salariés sont vieillissants et il n'y a pas que Ford qui fait ça, on laisse partir les retraités, les effectifs diminuent.
les emplois disparaissent petit à petit. Et Ford a pensé certainement l'année dernière que c'était mûr pour fermer l'usine, pour retenter une nouvelle attaque. Et visiblement, ils ne se sont pas tellement trompés, parce qu'à partir du moment où Ford a annoncé la fin de cette usine-là, donc il y a un an et puis en juin, eh bien, la réaction a été très faible de notre part. En fait, il y a, bon, c'est pas une surprise non plus, hein, on le vit tous plus ou moins autour de nous, là où on bosse ou dans les quartiers où on vit, il y a quand même un gros sentiment de fatalisme chez les gens, il y a beaucoup de résignation et beaucoup pensent que ça sert à rien de résister, donc n'ont pas la force de contester, de s'opposer. Et nous, à Ford, ben, ce qui s'est passé, c'est ça, mais en pire peut-être, parce qu'il y avait une grosse usure psychologique. Et malheureusement, nous, on a constaté les dégâts. Hein. Nous, les équipes syndicales, on s'est retrouvés finalement à faire des actions à très peu tout le long depuis un an. Parce que, en fait, les collègues, ils n'étaient pas en désaccord avec ce qu'on disait, pas en désaccord du tout avec l'idée de s'opposer, de résister, mais eux, ils ne s'en sentaient pas. Et donc, ils ont été spectateurs de la situation quasiment tous depuis un an. Et ça, c'est certainement le résultat d'une grosse usure psychologique. C'est aussi le résultat de, peut-être plus profond encore, un peu des destructions qu'il peut y avoir psychologiques en ce qui concerne les organisations du travail, hein, parce que c'est vrai que le travail devient plus dur, hein, les rapports sociaux au travail comme dans la société sont plus durs, la réorganisation du travail est plus intense, hein, moins on est nombreux, plus on a des charges de travail. Bon, ben, tout ça, ça fatigue, tout ça cultive le ras-le-bol, l'écœurement, et c'est vrai que ben, quand un patron dit, ben voilà, on ferme, et ben des fois, il y a des collègues qui disent, ah ben tiens, ça va nous faire du bien, on va partir, on va vivre autre chose, on va ailleurs. Donc tout ça, ça s'est joué aussi, et en plus, on est dans un effectif, la moyenne d'âge, c'est 51 ans, et donc du coup, ça signifie quand même, en plus de la fatigue, une fatigue aussi liée à l'âge, une usure physique et psychologique. Et donc voilà, on est là-dedans. Et donc une bonne partie de la population de l'usine, un peu plus d'un tiers, est pré-retraitable, parce que dans le plan de la fermeture de l'usine, il y a un plan pour les pré-retraités à partir de 54-55 ans. Et donc du coup, ben, ça permettait à faire que des gens subissent cette information-là de manière moins dramatique, puisqu'ils disaient, ben, tiens, finalement, ça ne sera pas le chômage, ça sera la pré-retraite. Ben, voilà. Donc tout était là pour finalement faire en sorte qu'il n'y ait pas de résistance et qu'il n'y ait pas une grosse lutte pour empêcher la fermeture de l'usine. Et autour de l'usine, eh ben, la population, elle est résignée elle aussi, parce que depuis 10 ans qu'on parle de ça, depuis 10 ans à Bordeaux qu'on parle que cette usine de Ford est menacée de fermeture, ben, en fait, la population, quand il y a eu l'annonce, eh ben, la plupart des gens ils ont dit « Ah ouais, mais ça devait arriver ». Voilà, c'est bon, c'est logique finalement. Et donc on baigne là-dedans. Et à côté de ça, ben, des pouvoirs publics qui font rien. Des pouvoirs publics, la seule chose qu'ils savent faire, c'est donner de l'argent aux entreprises. Et derrière, de ne pas être en capacité de faire rendre des comptes à une multinationale comme Ford qui a reçu 50 millions d'euros en 5 ans, enfin les 5 dernières années. Hein, ce qui est quand même un gros scandale. Tu reçois 50 millions d'euros, puis tu annonces la fermeture de l'usine au bout des 50 contrats. Donc on a des pouvoirs publics, eux aussi, d'une certaine manière, résignés, en tout cas, qui sont incapables d'agir dans ces conditions-là, incapables de s'opposer, incapables de dénoncer. Enfin, voilà. Voilà. Donc je vous fais un tableau, mais qui est certainement, qui ressemble à beaucoup de tableaux de ces situations-là. Donc nous, on a cherché à résister là-dessus. Une équipe militante, quelques collègues quand même, déterminés. On faisait des actions à 80 et à 100, à peu près, je vous dis, sur les 850 qu'on était. Hein, c'est pour vous dire le rapport de force qu'on avait. Mais on pensait que c'était fondamental de s'opposer quand même à la fermeture de l'usine et du début à la fin de dénoncer cette fermeture-là qui nous apparaissait comme scandaleuse de par l'argent public qui avait été donné à Ford, de par les profits énormes que fait la multinationale Ford, mais de par les emplois induits, donc, parce qu'on voulait à chaque fois insister sur cet aspect-là. C'est quand nous, on n'est que 850 salariés, enfin que c'est quand même énorme aujourd'hui, vu la taille moyenne des entreprises, mais c'est 2000 emplois autour et que tout ça, ça compte. Et que donc, du coup, et on avait envie d'expliquer que ce n'était pas juste quelque chose qui concernait des ouvriers, c'était une population qui devait se sentir concernée. C'était un petit peu comme quand une maternité ferme, quand un bureau de poste, une gare ferme, comment la population peut se mobiliser parce que ça concerne sa vie sociale, ça concerne son avenir et que les emplois des uns, c'est lié aux autres. Les emplois privés et publics, c'est souvent très lié. Et donc, d'essayer de faire passer cette idée-là, de faire prendre conscience qu'on avait intérêt à réagir tous ensemble. Donc c'est important de sensibiliser là-dessus, c'est important d'apparaître comme les opposants à quelque chose qui était présenté comme inéluctable, à quelque chose qui était présenté comme un truc dont on ne peut rien faire contre. Et voilà, donc on a essayé de résister, de dénoncer, de bousculer, de faire chier Ford évidemment, mais de faire chier aussi les pouvoirs publics, de montrer qu'il y avait autre chose à faire que de constater les dégâts, autre chose à faire que
que de dire, bah, écoutez, on ne peut pas grand-chose dans ces cas-là. Et voilà, donc bah, c'est ce qu'on a tenté. Bon, mais le résultat n'est pas terrible, hein, puisque finalement, ça devrait fermer. Mais on n'abandonne pas encore, parce qu'on a des réunions avec l'État, Bercy, tout ça. On s'est fait beaucoup de copains depuis le temps, finalement, parce qu'à force de se fréquenter, ben, on boit le café ensemble dans les réunions à Bercy. Hein. Ce n'est pas dans les salons qu'on obtient satisfaction, mais c'est dans les salons qu'on passe beaucoup de temps quand même. Et là, on continue, on a une réunion lundi, parce qu'en fait, nous, on voudrait, enfin, nous, quand je dis nous, c'est compliqué, parce que même dans l'équipe syndicale, ça craque. Bon, aujourd'hui, ça va avoir des effets très mauvais, évidemment, sur les copains, sur les copines, mais... En fait, ça craque parce qu'après, même dans les équipes militantes, il y en a pas mal qui se disent « Mais à quoi ça sert finalement de se battre ?» Parce que de toute façon, c'est perdu d'avance, regardez, en plus, on va... Donc du coup, on va être un bout de l'équipe à rester déterminé, à essayer de faire chier encore le ministère, les cabinets du ministère du Travail et de l'Économie, à faire chier les pouvoirs publics, y compris la région, le département, l'agglomération bordelaise. Bon, il n'y a plus Juppé, enfin, on va trouver quelqu'un d'autre à embêter. Mais c'est cette idée que pourquoi on se résignerait quand même quand on a ces annonces-là, et d'essayer de bousculer les pouvoirs publics de manière à ce qu'ils trouvent des solutions industrielles. Ça pose le problème de l'État ou des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, de l'absence de stratégie industrielle qu'ils peuvent avoir, de rien penser, de jamais rien agir, à part donner de l'argent à des entreprises, à part accompagner les plans de licenciement, à part trouver de l'argent pour des formations bidons à Pôle emploi. Enfin, voilà, nous, on voudrait poser le problème de qu'à un moment donné, les pouvoirs publics doivent servir à autre chose que d'accompagner les politiques ultralibérales et de mettre des pansements sur des situations sociales qui, de toute façon, seront dramatiques. Donc, du début à la fin, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de bousculer, de poser les problèmes, de mettre à plat les trucs. C'est pour ça que nous, on dit, ben oui, cette usine-là, il faudrait la réquisitionner. Alors, on nous répond, et le ministre nous a répondu cette semaine, que l'État n'a pas vocation à fabriquer des boîtes de vitesse. Ben ouais, bien sûr, l'État n'a pas vocation mais l'État n'a pas vocation non plus à laisser fermer les usines. L'État n'a pas non plus vocation à rester impuissant tout le temps en permanence. Donc du coup, on essaie de bousculer là-dessus, de répondre à ce qu'ils disent en essayant d'être offensif, en essayant de dire que tout ça, c'est pas tenable, c'est pas défendable, et d'essayer de faire en sorte que la posture qu'ils ont, ils ne puissent pas la maintenir. Donc c'est ces batailles-là qu'on mène, donc à peu nombreux, mais le peu nombreux, c'est relatif, parce que c'est un peu comme le mouvement des Gilets jaunes. On peut toujours dire, il n'y a pas tant de monde que ça dans la rue, mais ce mouvement-là, mais comme notre lutte à nous, elle suscite beaucoup de sympathie, beaucoup de respect, et dans la population, même s'il n'y a pas l'énergie pour se battre, on sent bien que tout ce qu'on fait, c'est payant du point de vue de ce message-là, que c'est dégueulasse, que c'est pas normal, qu'il devrait y avoir une autre politique, qu'il devrait y avoir autre chose qui se passe, que c'est toujours les petits qui trinquent, que c'est toujours les mêmes qui payent la soi-disant crise actuelle. Donc tout ça, on voit bien que ce qu'on dit, ce qu'on fait, que la résistance, elle n'est jamais inutile parce qu'elle fait passer quelque chose. La résistance, c'est toujours un peu contagieux. Ça ne se voit pas toujours parce que ce n'est pas des masses de gens qui vont manifester ou ce n'est pas des masses de gens qui vont venir à des initiatives de lutte. Mais n'empêche que ça discute, ça réfléchit. Il y a des choses qui passent dans les cerveaux, hein, malgré tous les filtres médiatiques, hein, qui sont assez énormes. Il y a des choses qui se passent, il y a des liens, il y a des choses qui se comprennent. Et nous, on pense que la lutte de Ford, mais comme plein de luttes aujourd'hui, et évidemment comme le mouvement des Gilets jaunes, on en parlera un peu tout à l'heure, peut-être un peu plus, mais tout ça, c'est très important parce que ça aide à des prises de conscience, ça aide à quelque part à ce que les cerveaux se réveillent, entendent d'autres choses en tout cas. Voilà. Donc je vais arrêter à ce truc-là. Enfin, donc on est en train de mourir, parce que je dis ça, parce qu'en fait, le bouquin, c'est même pas mort. À 24 heures près, le titre n'est pas bon. Mais on n'est même pas mort parce qu'on va continuer à résister d'une manière. Enfin, voilà. Puis l'idée globale, c'est un peu ça là aussi, c'est qu'à partir de quand il faudrait s'arrêter de se battre, à partir de quand il faudrait plier. En fait, il n'y a jamais vraiment de limite. Quoi. Le combat ne s'arrête pas. Enfin, voilà, il n'y a pas un moment donné où ça s'arrête. Quoi. Donc je crois que là, j'arrête vraiment. Merci Philippe. Bon, effectivement, heureusement qu'on a fait la soirée ce soir. Peut-être que demain, ça aurait été trop tard. Donc Béatrice et toi, vous êtes coordonnateur de ce livre, Ford Blanc Fort, même pas mort. Donc dans ce livre, on retrouve des analyses critiques, des fictions, des dessins. Au-delà de ce livre, la campagne de soutien avec, tu l'as dit, là, un concert de solidarité le samedi 2 mars, bon, c'est un petit peu loin de Montpellier, mais moi quand je vois la liste des groupes qui doit tourner, je trouve ça tout de même alléchant, en dehors du fait que du soutien à la lutte des Ford. Tu l'as dit, c'est pas facile la lutte. Et du coup, y compris quand on n'est pas porté par la majorité des copains, des copines de la boîte.
Donc j'imagine que tout ce mouvement de soutien par des meetings, par des concerts avec ce livre, ça joue aussi sur l'aspect de continualité, malgré tout, malgré les difficultés. Donc je passe la parole à Béatrice, plus particulièrement sur comment vous avez conçu le livre, comment s'est fait un petit peu cette histoire. Bonsoir. Alors l'idée du livre, c'est venu tout d'abord de la CGT Ford à un petit journal qui s'appelle Le Bonne Nouvelle et qui était alimenté par des dessins repris dans la presse, donc des dessins existants et que des camarades de Philippe détournaient et mettaient au goût du jour pour que ça colle à l'actualité de Ford. Donc je précise que moi je travaille pas à Ford. Et donc ils ont fait appel à d'autres dessinateurs de presse, notamment des dessinateurs de presse de Sud-Ouest, et puis après ça a été des dessinateurs ont fait appel à d'autres dessinateurs, ce qui fait que ça a été alimenté, bien alimenté, richement alimenté, et donc il y avait déjà plein de dessins où on s'est dit que c'était quand même très intéressant que les dessinateurs aient répondu comme ça à cet appel. Après, il y a eu une journée de solidarité qui a été mise en place parce qu'on s'interrogeait quand même en se disant qu'une lutte, c'était donc il y avait les salariés qui luttaient, les syndicalistes qui luttaient, et que ça concernait aussi tout le monde. Et donc on s'est interrogé, on s'est dit quand même que ce serait intéressant d'avoir comme sujet pour une journée de solidarité, est-ce qu'une fermeture d'usine, est-ce que c'est inéluctable ? Parce que c'était un peu ce qui se disait, c'est-à-dire que ça va fermer. C'est dommage, hein ? Vous allez chercher du travail et, comme si c'était une fatalité, et nous on s'est dit que non, c'était quand même un choix politique, et qu'il fallait qu'on interroge notamment des intellectuels. Donc on a fait venir les Vincent Charlot et Serge Halimi, directeur du Monde Diplomatique, pour justement interroger ça, et que ça parle aussi aux salariés et aux ouvriers, donc c'était ouvert à tous. Il s'avère que les salariés ne sont pas forcément venus en masse, mais bon, l'idée c'était quand même d'alimenter en disant que non, ce n'est pas... c'est des vrais choix, c'est pas une fatalité en fin de compte, c'est comme un hôpital qui ferme, c'est des choix politiques, une maternité, enfin bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut voir sur les services publics, mais aussi les entreprises, et donc ça a été une journée très riche. Le soir il y avait un concert avec Lavilliers qui est venu, Didier Super et HK, donc l'idée aussi c'était de faire intervenir des intellectuels, des artistes en disant, voilà, on sait qu'a priori vous êtes plutôt de gauche, maintenant, montrez-nous aussi que vous êtes solidaire du mouvement ouvrier. Voilà, ça a été, ils ont répondu, et puis on s'est dit que c'était quand même dommage de rester comme ça juste sur une journée, et qu'il fallait un peu faire un objet de cette lutte, et puis faire une espèce de tract de luxe. Donc on a fait, l'idée aux premières c'était de condenser donc, les dessins de presse. Et puis après, on a un ami éditeur, Libertalia, et on lui a demandé s'il était partant pour faire un livre de lutte. Donc bien sûr, il n'y avait pas de souci pour ça. Et après, on a fait... La notoriété de Philippe a aussi aidé pour interpeller des intellectuels. Donc forcément, il y a Halimi et les Pinsons qui ont répondu à l'appel. Et puis après, plus largement, on a demandé à Chalandon, à François Morel, qu'on a croisé sur un salon du livre. Donc après, on est allé un peu au culot en disant, on sait qu'a priori, vous êtes de gauche. Maintenant, une fermeture d'usine, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, il y avait carte blanche, hein, il ne s'agissait pas de parler que de Ford, mais un peu d'alimenter. Donc il y a des auteurs de polar, des humoristes, donc il y a Meurice, Didier Super, et puis plein d'autres, avec d'autres, il y a un linguiste qui est proche de l'UPA d'ailleurs, qui a fait une analyse aussi sur le traitement des traitements médiatiques de la part de Sud-Ouest sur Ford. Donc voilà, on en a fait cet ouvrage, et puis voilà, l'idée c'était de faire parler de la lutte, et c'était forcément plus facile de présenter aussi un livre pour faire parler de la lutte que de faire juste des meetings ou des rencontres. Alors ça a plus ou moins fonctionné. Après, il n'y a pas eu tellement de relais médiatiques. On pensait qu'on envoyait un peu à des médias. Mais bon, voilà. Pour nous, ça nous permet, on a fait quelques rencontres, et ça permet surtout d'élargir et de parler d'une fermeture d'usine au-delà des militants du militantisme et puis des personnes concernées.
Merci. Donc, je vous l'avais dit en introduction, on a souhaité, entre guillemets, délocaliser cette soirée Résister à l'air du temps, parce qu'au vu de la mobilisation sociale des Gilets jaunes depuis plus de 2 mois, il nous semblait important de donner l'occasion à un plus grand nombre de personnes de venir échanger sur les questions que peuvent soulever ce mouvement social. Et sur Montpellier, nous on commence à voir depuis 2 mois, avec 14 actes le samedi, avec systématiquement plusieurs milliers de manifestants et de manifestantes dans les rues, avec samedi prochain un appel régional à 13h de mobilisation, toujours dans cette idée de mobilisation des samedis. En face de cette mobilisation des Gilets jaunes, un régime qui est en pleine crise. On le voit vis-à-vis de la répression, on le voit vis-à-vis des affaires qui éclatent. Et donc ces aspects-là, on voulait aussi les aborder ce soir. Donc je vais repasser la parole à Philippe, qui va élargir justement le sujet de la discussion. Et puis après, l'idée, c'est de vous passer la parole pour des questions, des interventions. Et puis un petit temps d'échange avec Béatrice et Philippe sur ces deux aspects, la lutte des Ford et puis comment le mouvement des Gilets jaunes bouscule un petit peu la façon dont on peut résister et lutter. Et donc pourquoi continuer ? Et puis il y a le grand débat surtout. Le grand débat, c'est quand même une sacrée preuve de démocratie, c'est quand même une sacrée preuve de volonté du gouvernement et du pouvoir de mettre en discussion tout ça. Ils vont analyser et puis ils vont retenir ce qu'il faut faire et derrière, il y aura des choses qui se feront. Mais c'est incroyable. Enfin, ce discours-là, il est commun à toutes les chaînes, à des tas de responsables de chaînes, de chroniqueurs, des tutorialistes et de journalistes. Et donc on voit tout ça. Mais après, il n'y a pas que. Hein, on a entendu quand même les Luc Ferry, Phil Calcrot, même s'il est sur une autre histoire depuis peu, qui est complètement différente, mais bon, des tas des intellectuels, des gens qui sont habitués à penser pour les autres, vous rappelez peut-être, parce qu'on peut faire le lien avec la loi travail, d'ailleurs Phil Calcrot s'était fait remarquer aussi parce qu'il s'était fait cracher dessus à l'époque, il s'était fait rejeter de la place de la République parce qu'il avait tourné un peu autour des Nuits debout à la République, parce que lui c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui pense, qui sait penser, et il comprenait pas qu'on puisse penser sans lui. Et donc il fallait qu'ils s'approchent à un moment donné quand même. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus besoin de nous. Mais on est là-dedans, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont tellement habitués à penser pour tout le monde, qui sont tellement respectés, faire montrer, comprendre, machin, que du coup, ça les perturbe quand y a des mouvements sociaux. Parce que les mouvements sociaux, ce sont des gens qui se réveillent, qui discutent, qui se rencontrent. D'ailleurs, les manifestations, on peut parler des actes 1, 2, 3. Enfin, bon, après, on en a, je ne sais pas s'il y en a qu'on fait les 15 actes. Peut-être pas parce que c'est. Quand on en fait plusieurs ou pas loin de 15, on s'aperçoit que ces manifestations-là, mais comme les ronds-points, d'ailleurs les ronds-points, ça avait été plutôt bien analysé par pas mal de sociologues, y compris au début, les médias en parlaient de manière positive, à juste titre, parce que les ronds-points, c'était comme des AG, c'était des réunions, c'était des rencontres, c'était un lien fraternel, c'était des gens isolés, un peu tout seuls dans leur coin, un peu perdus, qui se retrouvaient avec d'autres, et il y avait quelque chose de fraternel, quelque chose qui se passait d'énorme, en réalité. Et donc, du coup, c'est tout ça. Et les manifestations, c'est ça. Ce sont des rendez-vous, on se retrouve, on discute. En plus, la qualité des manifestations Gilets jaunes, enfin, moi, on voit sur Bordeaux, mais on peut supposer que c'est un peu partout pareil, c'est que ça a une qualité, c'est que contrairement aux manifs syndicales, où chacun a son petit quartier, son petit coin, sa petite banderole, chacun est rangé dans l'ordre, puisque c'est tiré au sort, entre FO, CTC, machin, ou dans le désordre, ça dépend. Mais là, les manifs des Gilets jaunes, on est nulle part et partout, voilà. Il y a du jaune un peu partout, et il y a peu de banderoles, et puis ça discute, ça se rencontre, d'une manif sur l'autre, ah mais tiens, t'es encore là, ben oui. Et puis, mine de rien, il y a pas mal de discussions politiques, des questions qui se posent sur la suite, sur toute l'actualité du mouvement, sur la répression du mouvement, sur la brutalité policière, pas que la brutalité policière, il y a aussi, ça, même si ça se voit moins, mais il y a une réalité, c'est la répression judiciaire, c'est que la suite de la répression policière, c'est quand même énormément de condamnations de militants, de manifestants, de gens qui se sont retrouvés un peu là. Voilà, il y a donc les blessures graves, les choses, les mains arrachées, les yeux crevés, les visages défigurés.
où les corps amochés par des grenades. Mais à côté de ça, donc la suite, c'est vraiment des peines incroyables. Et il suffit de pas grand-chose pour pouvoir se faire mettre en garde à vue. Et puis derrière, comparution immédiate. Et puis derrière, des peines de prison avec sursis pour la plupart, mais des peines sérieuses et puis des mises à l'épreuve de plusieurs années. Donc ça, c'est le quotidien quand même de pas mal de manifestants aujourd'hui. Donc, mais dans les manifestations, ça permet de discuter de ça, ça interroge tout ça. Et ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, au fil du temps, il permet une politisation, il permet à travers ces discussions-là des prises de conscience. Et c'est vrai que du coup, contrairement à la loi travail, vous vous rappelez, il y avait une répression qui était très dure à la loi travail. Bon, c'était Hollande, un petit amateur de la répression. Avec Macron, on a un professionnel. Mais ceci dit, il y avait quand même un bon apprentissage. Il y avait des choses très graves qui se passaient à ce moment-là, des encerclements de manifs, hein, des comparaisons médiatiques, il y en avait pas mal, des attaques, mais peut-être moins de blessures graves comme aujourd'hui. Mais il y avait une répression qui nous avait quand même bien frappé. Mais c'est vrai que ça touchait à l'époque le milieu militant, essentiellement. Et on avait l'impression, quand on sortait de la manif, que personne ne le voyait, que tout le monde se contentait de l'image BFM, où finalement c'était évidemment des black blocs, hein, des casseurs qui avaient encore dessiné sur les murs des banques. Et que là, la différence, c'est qu'avec ce mouvement-là, à partir du moment où c'est pas qu'un milieu militant et que c'est beaucoup plus large et que ça touche même y compris dans des milieux sociaux un peu différents, pas du tout habitués aux manifestations, et que ça touche aussi des milieux pas que citadins, eh bien on s'aperçoit finalement que ça touche beaucoup plus et que quand on revient au boulot après une manif ou quand on discute dans son quartier, eh bien il y a une prise de conscience de la répression, il y a une prise de conscience du rôle de la police, une prise de conscience de la stratégie du gouvernement, hein, au-delà du mépris qui a décidé de casser un mouvement, qui a décidé de répondre que par le choix d'un engrenage de violence. Mais tout ça, finalement, ça se discute, ça se partage. Alors, évidemment, tout ne va pas très vite, tout ne va pas complètement dans le même sens, parce qu'il y a aussi la peur, ça joue aussi dans ce sens-là, évidemment, mais ça sert à ça, la répression. Il y a la peur d'aller manifester, il y a la peur de se faire tirer dessus, donc, du coup, tout n'est pas si simple que ça. Mais globalement, quand même, c'est, moi, je trouve incroyable les discussions qu'il peut y avoir, et donc, ces prises de conscience-là, et ces prises de conscience-là, elles aident à renforcer, quelque part, donc, une colère, une révolte, et donc, c'est pour ça que ce mouvement-là, il ne s'éteindra pas comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui va tenir. Et à côté de ça, même certainement, que quelque part, ce qu'il n'avait pas au début, mais ce qu'il peut gagner au cours du mouvement, c'est une conscience de classe. La conscience collective, elle devrait déboucher, mais ça, ça ne viendra pas tout seul, ok, mais sur une conscience de classe. Il y a un affrontement de classe. Alors, un affrontement de classe, comme peut-être nous, on ne l'avait pas forcément discuté, parce que c'est vrai que quand on est syndicaliste, quand on est militant politique, bon, voilà, il y a le prolétariat d'un côté, il y a la bourgeoisie de l'autre, qui est représentée par le gouvernement, le MEDEF et tout ça. Bon, c'est assez. Les délimitations sont assez simples. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que dans la confrontation de classe, dans cette bataille qu'il y a, il y a des salariés, il y a des chômeurs, il y a des retraités, des jeunes, des étudiants, des gens précaires, mais il y a aussi ces commerçants qui souffrent, ces petits artisans qui souffrent, ces petits paysans qui souffrent. Et donc on se retrouve à discuter avec des gens avec qui on n'avait pas forcément l'habitude de discuter, avec qui on n'avait pas forcément l'habitude d'argumenter. Et c'est vrai qu'on sent bien que c'est pas tout à fait pareil, mais en même temps on sent bien qu'il y a la possibilité quelque part de construire un front de classe et qui là comprend ben ouais, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vivent de leur travail d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui n'ont que ça pour vivre et qui aujourd'hui ont de moins en moins pour vivre d'ailleurs. Et ça touche évidemment des secteurs de la population très variés. Et donc c'est ça aussi qui est important, qui est peut-être en train de se jouer. Et c'est peut-être ça qui renforce l'animosité des possédants, l'animosité de l'élite intellectuelle, de ces gens-là qui pensent pour nous, qui vivent, qui parlent pour nous. Et on peut penser que plus ce mouvement-là pourrait représenter ce danger-là pour eux, cette menace-là d'une construction, d'une révolte sociale et donc d'un affrontement de classe, plus il y aura ça, plus on va avoir de la haine, plus on va avoir de la calomnie, plus on va avoir tout ce qu'ils sont capables de déverser aujourd'hui à travers les médias. Et donc c'est là où on est en plein dans une bataille politique. Et il faudrait espérer qu'au fil du temps, ben évidemment, des choses avancent dans un sens positif pour nous. Donc là, on peut se poser des questions quand même, évidemment, parce qu'on voit bien que les manifestations en nombre, elles n'augmentent pas. Je ne vous parle pas des chiffres de Castaner, hein, parce que... il compte assez bas quand même, mais c'est vrai qu'on nous le voit quand on manifeste, le nombre de manifestants n'augmente pas, ou quand il augmente, c'est un petit peu, la fois d'après, ça rebaisse un petit peu. Bon, on a du mal d'ailleurs à comparer d'un samedi sur l'autre, mais bon, on sent bien que le mouvement, il a du mal aujourd'hui à trouver un nouvel élan et à s'élargir, à augmenter en nombre évidemment, mais même y compris à s'élargir.
et à sortir un peu de ce conflit-là, de la manifestation du samedi. On sent d'ailleurs que les discussions se renforcent aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu les ronds-points ont été abandonnés, pas abandonnés parce qu'il fallait les abandonner, parce qu'ils ont été expulsés, parce que la plupart des ronds-points ont été dégagés physiquement par les forces de l'ordre. Mais donc du coup, ça c'est devenu des manifs, mais tout le monde se rend bien compte que la manif du samedi, elle ne peut pas suffire. Elle ne va pas suffire, même si derrière on se fait des fois plaisir en se confrontant avec la police à la fin des manifs, quand il commence à faire nuit, qu'on allume des feux, des poubelles et des palettes et qu'on commence à casser des vitrines de banque. Mais on sait bien que tout ça, ça ne va pas suffire parce que bon, bah, d'abord à ce jeu-là, malheureusement, on peut penser que les forces de l'ordre ont les moyens de l'emporter, puisque au jeu du rapport physique, au jeu de la bagarre aujourd'hui, vu le nombre qu'on est, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, bah, évidemment, il y a une prise de conscience, c'est comment ce mouvement-là peut s'élargir, peut se renforcer en nombre, et comment on peut trouver des formes de lutte un peu différentes, comment le samedi, comment les ronds-points, ok, mais comment à côté de ça, d'autres choses peuvent se passer. Il a été tenté le 5 février l'idée de faire converger donc, le mouvement syndical et le mouvement des Gilets jaunes à travers l'idée d'une grève générale, y compris même des porte-parole des Gilets jaunes s'affirmer pour la grève générale, pour l'extension, enfin pour qu'il y ait un mouvement de grève qui se déroule dans le milieu des salariés. Et donc on sent bien que tout ça, ça fait partie du débat, ça fait partie des problèmes, des perspectives. Mais bon, le 5 février, bon, c'est pas non plus une grosse surprise, mais c'était bien de tenter, c'était bien que ça soit discuté, mais on savait bien que ça prendrait pas comme ça non plus du jour au lendemain. Mais voilà, mais on sent qu'il manque des trucs, il faut que d'une manière ou d'une autre, on arrive à ça. Alors après, on voit bien les freins, on voit bien les difficultés, on voit bien tout est loin aujourd'hui de permettre à ce que ça avance comme ça. Mais bon, en tout cas, les problèmes sont là, ils sont posés. Et c'est déjà d'ailleurs une force énorme du mouvement social actuel, du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir réussi au moins à poser ces problèmes-là, à les mettre de manière très visible. Hein, premièrement, évidemment, la gravité des inégalités sociales, la gravité d'un système qui broie, qui écrase la majorité de la population. Donc, hein, l'histoire de l'ISF, l'histoire de la fiscalité profondément injuste. Donc, c'est un mouvement qui a réussi à poser ce problème-là, comme nous, les syndicalistes, on n'avait jamais réussi à mettre aussi clairement, quoi. Donc, ça, c'est la force de ce mouvement-là. La force du mouvement, ça a été aussi de poser les problèmes de démocratie. Parce que la revendication du RIC, hein, qui en soi ne veut rien dire du tout, hein, merde, référendum d'initiative citoyenne, bon ok, Juppé, nous, il était d'accord, donc ça fait poser question, ouais, d'accord, enfin, même Bouquier, je crois, même du côté du Front National, bah oui, pourquoi pas. Donc pour vous dire qu'en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le problème qui est posé, il est réel, c'est que la population, elle n'a aucun droit de décision, elle subit en permanence, on lui apprend d'ailleurs, de toute façon, on n'a pas été assez à l'école, on est assez con pour ça, mais il y a des gens très, très haut placés qui ont appris des choses, qui vont penser pour nous, qui vont organiser des choses pour nous, mais sauf que la démocratie, à un moment donné, ça pose le problème que bah, nous, on a des cerveaux, on a des moyens quand même de réfléchir, de penser à des choses, et oui, la population, elle doit pouvoir décider, elle doit pouvoir voter des lois qui vont dans le sens de ses propres intérêts. Donc derrière la RIC, c'est ça qui est posé. Et la conscience qu'il y a un système qui est profondément antidémocratique, un système où les riches, où le gouvernement, les élus, députés et compagnie sont déconnectés de la population, ils votent des lois pour eux et contre la population. Donc ça, c'est posé. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a réussi à poser de manière assez claire cette absence de démocratie et donc cette exigence d'une société qui soit organisée différemment. Et donc on voit là aussi des choses qui se passent, qui se discutent, qui sont très intéressantes, qu'on arrive à discuter dans les manifestations, qu'on arrive à discuter dans des réunions parfois. Donc voilà, donc ça c'est aussi la force du mouvement d'avoir mis ça sur le débat public. Et puis donc j'étais sur essayer d'énumérer les forces du mouvement, et la force du mouvement c'est aussi de peut-être de rendre de manière assez claire le rôle des forces de l'ordre, comment un gouvernement, quand il n'a pas de réponse politique, il reste que la violence pour imposer son pouvoir, sa légitimité. Et ce mouvement-là, ben, il fait cette démonstration-là, par la négative pour tous ceux qui sont blessés grièvement, hein, ou même la pauvre dame qui est morte à Marseille, parce qu'on l'oublie, elle est oubliée, mais il y a un mort aujourd'hui lié à la répression, c'est la vieille dame à Marseille qui s'est pris une grenade, elle avait 80 ans, et elle s'est pris une grenade lacrymogène en fermant ses volets pendant que la manif passait à côté. Donc voilà, donc bon, évidemment qu'il y en a qui ont payé très cher cette répression-là, mais bon, c'est, n'empêche que c'est des choses qui permettent de montrer, qui montrent un peu comment la société fonctionne, comment un pouvoir se défend, et donc on est dans cette dénonciation-là, et ce mouvement-là, il permet de, je pense, de faire comprendre ça, d'ouvrir les yeux. On n'est plus dans le flic sympa, la police avec nous, je ne sais pas si vous vous rappelez des toutes premières manifs,
hein, avec le drapeau blanc-rouge, allez, venez avec nous, tout ça. On était un peu gênés quand on voyait des scènes comme ça, parce que nous, on se disait, mais jamais on va dire un flic de venir avec nous. Enfin, et il nous a tabassé l'année dernière, il nous a tabassé il y a 10 ans. Et puis, pire, quand il y a des tas de bouquins intéressants ou des sociologues qui racontent que la répression policière en France, c'est quand même une très longue histoire, et qui est souvent d'ailleurs teintée de racisme dans les quartiers populaires. Bon, donc, c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop. Donc, nous, on a un peu de mal quand même à dire, allez, venez avec nous, c'est sympa, tout ça, vous êtes vous aussi des gilets jaunes. Bon. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, finalement, ça a changé. Ça ne veut pas dire que tous les gilets jaunes, que tous ceux qui manifestent sont profondément hostiles envers les forces de l'ordre, mais ceci dit quand même, il y a une prise de conscience. La BAC, elle s'est montrée comme elle ne s'était jamais montrée au grand jour. Aujourd'hui, enfin, maintenant, il y a un autre nom pour la BAC, hein, c'est la DAT, la DAT. Hein. Ben, mais voilà, mais ça a été, il y a quand même pas mal d'images, il y a pas mal de choses qui circulent sur les réseaux sociaux qui montrent les outils, enfin, les brigades qui existent au sein de l'État, au sein du pouvoir, qui sont juste là pour réprimer, pour casser, pour les images aussi de flics casseurs avec des marteaux, je sais pas si vous avez vu, bon voilà, c'est pas un scoop non plus, mais le mouvement, par sa longévité, par sa radicalité, arrive à rendre visible ces choses-là un peu plus. Et c'est pareil, c'est des choses à mettre à l'actif du mouvement qui sont importantes pour nous pour la suite. Donc voilà, donc après, la question, je vais finir là-dessus, c'est la question qui nous reste, eh bien, c'est que ce mouvement-là, bon, on nous promet la fin depuis longtemps. Et d'ailleurs, un élément de ces derniers jours-là est très problématique à plusieurs points de vue, mais c'est la question de l'antisémitisme. Hein ? Il y a un billet qui a à lire, enfin billet, un petit texte qui a été fait par quelqu'un de Télérama. Bon, Télérama, c'est pas ok, c'est pas un truc de grand révolutionnaire, mais enfin c'est quand même un truc qui est pas forcément négatif. Et donc là, il y a un texte qui est très bien de Samuel Gontier, qui est sur le link, qui est en ligne, et qui raconte le déroulé de la dernière journée, justement, pour arriver jusqu'à la question de Finkielkraut et puis de l'antisémitisme. Et il raconte justement comment les médias, du début à la fin de la journée, cherchent à charger le mouvement, enfin, elle critiquait, ils cherchent le moindre petit truc et tout ça, donc même quand ils ont rien à se mettre sous la dent, ils cherchent quelque chose, donc, et ils racontent un peu le déroulé de la journée, c'est intéressant, hein, parce que ce gars-là, il a visiblement zappé entre BFM, CNews, France Info, tout ça, et il raconte le déroulé, donc une manif, bon, voilà, un peu comme d'habitude, il n'y a pas forcément grand monde, mais il y a quand même un peu de monde, bon, évidemment, il y a des échauffourées, des violences, tout ça, bon, voilà, regardez, les policiers interviennent, et en même temps, il raconte les commentaires de ceux qui sont invités sur le plateau. Alors, évidemment, il y a quelqu'un du syndicat de la police, il y a un expert de je sais pas quoi, qui dit, ah, c'est bien, la police, elle intervient, mais elle a raison, il ne faut pas se laisser faire, enfin, il raconte ça, et puis jusqu'à la scène de Finkielkraut qui se fait insulter, hein, qui se fait insulter par des gilets jaunes, de fait. Mais bon, visiblement, vous avez vu depuis, militant salafiste, visiblement islamiste radical, et donc insulte antisioniste. Et derrière, évidemment, enfin, ce qui nous apparaît nous clair, en tout cas, c'est que c'est une véritable insulte antisémite. Et donc, qui se fait insulter. Et cette scène-là, qui est grave en soi, hein. Nous on est au NPR, on va pas relativiser le truc, on va pas dire non, c'est pas grave, tout ça, c'est quelque chose de grave qui se passe. Bon, il se trouve que ça arrive à Finkielkraut qui est pas du tout un ami à nous, mais ça n'empêche que c'est grave, c'est une véritable agression antisémite. Mais comment une scène comme ça, un coup de manif dans une des villes, va devenir l'événement de la journée? Et comment ça va servir finalement à discréditer le mouvement, comment finalement c'est toute une machine qui est en place pour dire regardez ce mouvement-là, finalement il est antisémite. Un peu rappelez-vous au début, hein, quand il y avait les altercats où il y avait une scène, effectivement il y a eu des scènes racistes, hein, un chauffeur noir dans une voiture qui se fait un peu escalter, l'histoire des migrants qui avait été dénoncée par des gilets jaunes ou ça, dans le nord de la France, enfin, évidemment il y avait des scènes racistes, des scènes xénophobes, homophobes, oui, ben, il y a des homosexuels qui ont été agressés verbalement et physiquement, donc ça c'est une réalité. C'est une réalité du mouvement, mais c'est une réalité de la population, en fait. Ces préjugés-là existent, le racisme existe, l'homophobie existe, le sexisme existe. Malheureusement, ça a peut-être tendance même à augmenter. D'ailleurs, les chiffres qu'ils nous donnent sur les agressions antisémites sont en augmentation, mais les chiffres d'agressions homophobes sont aussi en augmentation. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais enfin voilà, on voit bien qu'on est dans une société de toute façon de plus en plus violente, de plus en plus agressive, où les préjugés et les oppressions et les discriminations sont aussi malheureusement d'actualité. Donc là, à
mais après, le problème qui est posé, c'est que est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui fabrique ça, qui génère ça, qui en est responsable, ou est-ce que c'est tout simplement les Gilets jaunes expriment aussi ce qui existe dans la société et qu'il y a évidemment dans le mouvement des Gilets jaunes eh bien, un peu de tout, et notamment de l'extrême droite. Et évidemment, on l'a vu dans certaines villes, et puis voilà, des agressions ou des choses qui sont, qu'on ne partage pas du tout. Donc ça, c'est une réalité. Mais sauf que le traitement médiatique, le traitement gouvernemental, celui de Castaner, de Macron et compagnie, ça va être de se servir de ça pour dire, regardez ce mouvement-là, il est sale. Il est sale parce que antisémite. Et donc, qui même y compris, il y a eu des débats avec Calvi et des débats avec des journalistes sur LCP, enfin, toutes les chaînes, en disant, en posant la question de manière naïve, faussement naïve, mais ce mouvement-là, cette violence qu'il y a dans le mouvement-là, est-ce qu'il ne serait pas en train d'ouvrir les vannes du racisme, de l'antisémitisme, pour le coup, il parlait. Et donc, ce mouvement-là qui deviendrait responsable de ces situations-là. Donc là, c'est terrible parce que du coup, ben, on en revient à cette haine de classe, à cette peur de ce mouvement-là, et qui, finalement, le mouvement des Gilets jaunes, il prend tous les défauts, et c'est lui qui est responsable de tous les problèmes. Et ça pose un problème, évidemment, pour nous, parce que du coup, ça contribuera à discréditer le mouvement, certainement. Donc après, ben, on va voir dans les semaines qui viennent comment tout ça, ça se déroule, qu'est-ce qui se passe dans la tête des manifestants, qu'est-ce qui se passe dans la population, est-ce que ça renforce l'envie de se battre contre ce gouvernement-là, est-ce que ça permet, en plus, ça peut-être, ce serait bien que ça permette de discuter de ces problèmes-là, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, du sexisme, de ce que le mouvement Gilets jaunes a envie de porter. Donc ça peut aussi aider à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, une homogénéisation d'un mouvement qui rejette tout ce qui est préjugé réactionnaire. Ça peut être ça aussi, ça peut être positif, on ne sait pas, mais ça peut être aussi quelque chose qui fait du mal au mouvement, on verra bien. Mais bon, en tout cas, nous, le problème qu'on a, c'est celui-là, c'est de s'appuyer sur tous ces éléments-là de discussion et de faire en sorte que ce mouvement se construise, s'élargisse et pose le problème d'une confrontation de classe, d'une confrontation sociale contre des possédants et qui pose le problème jusqu'au bout. Donc pour nous, jusqu'au bout, ben, c'est l'anticapitalisme, c'est arriver à discuter clairement de ça, des revendications et d'un mouvement qui lâche pas prise là-dessus et puis qui, à un moment donné, arrive à imposer le partage des richesses, à imposer l'arrêt des politiques antisociales, des reculs. Bon, voilà, donc c'est un peu tout le programme qui nous reste pour les semaines qui viennent. Merci Philippe.